Du coup, c'est un spectacle. C'est notre septième spectacle. Du coup, on travaille sur une fable qu'on a écrite ensemble, qui est bien sûr imprégnée de tout ce qu'on a vécu parce qu'on habite tous les trois à Marseille. On habitait. Et en fait, on a été assez marqués par tout ce qui s'est passé à la Plaine, la rue d'Aubagne, les effondrements des immeubles. Et on est parti sur un constat aussi, après ça, et en même temps qu'il y avait des gilets jaunes, de quelque chose de l'ordre d'un monde qui s'écroule un peu et d'une ville un peu labyrinthique où on n'arrive plus trop à avancer, on se cogne un peu au mur. Une perte de repères. Et on a travaillé avec une autrice qui est venue faire plusieurs résidences dans différents endroits, imprégnée de cette fable, et qui a écrit une histoire autour de la fable de l'effondrement d'un quartier. Et en fait, on a cherché plusieurs dispositifs parce qu'on lit toujours une fable à un dispositif d'espace. Et le dispositif qu'on a trouvé, c'est un quartier autour duquel on tourne en rond. Et donc Labyrinthe, en fait, c'est un spectacle où on fait tourner les gens en rond autour d'une histoire d'un effondrement. Et puis,